Mon rôle, c'est de s'assurer que tout le monde progresse. Donc, les niveaux sont assez hétérogènes au départ. Il faut aussi équilibrer les ambitions de chacun par rapport aux outils qui peuvent exister. Donc, mon rôle, c'est de veiller à ce que tout le monde soit et des défis suffisamment ambitieux, mais aussi suffisamment raisonnables par rapport à un niveau qu'ils sont capables d'atteindre en quelques jours. Alors, il n'y a pas eu de critères particuliers. Enfin, il y a eu quelques critères, mais le premier critère, c'était d'être le premier. Voilà. Il fallait avoir un rapport avec les arts ou l'artisanat. Effectivement, art par appliqué. Donc, on a la question des designers, des architectes, des plasticiens. Et de l'autre côté, on a l'artisanat, donc on a un ferronnier d'art, on a des gens qui travaillent la matière. Et ce qui nous intéressait, c'est aussi d'avoir des profils un peu différents pour que dans un groupe, on ait une forme d'émulation, d'échange qui se passe et qu'il y ait une part de la formation qui soit aussi dispensée par les gens qui participent au workshop sous forme de partage d'expérience. Alors la thématique de projet, on voulait une thématique assez large pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il faut savoir que dans le groupe, on a des gens qui sont assez familiers des outils numériques, que ce soit de conception ou de fabrication, d'autres qui sont très éloignés de ça. Et donc, on a cherché une thématique assez large qui puisse permettre de s'exprimer à la fois en 2D augmenté, on va dire, c'est-à-dire pour des gens qui ne seraient pas nécessairement très doués avec des outils de représentation, et des gens où on peut avoir plus de liberté pour des gens qui sont déjà plus aguerris. Et donc on a proposé la thématique du puzzle qui se conçoit bien en 2D mais qui nous intéresse aussi évidemment beaucoup plus en 3D. On va essayer de pousser, d'ailleurs depuis ce matin on pousse les groupes qui ont commencé pour certains à penser plutôt en deux dimensions, on les pousse vers la 3D, voire une forme de quatrième dimension qui serait le temps avec une notion d'interaction et d'intégration d'électronique. D'accord. Et ils ont combien de jours pour réaliser ça ? Et ils ont 3 jours pour réaliser un projet. Ils ont une deadline de présentation. Il y a des idées, il y a des envies, ça risque d'être assez intéressant.